En avant, en marche. Le conseil départemental est heureux d'accompagner cet établissement qui est remarquable et qui va contribuer à la formation. Aujourd'hui, je suis très heureux de grandir à Dalzon-Beaucaire. J'ai tenu à être ici aujourd'hui précisément parce que je sais moi ce que je dois à l'Institut Dalzon. Et on tourne une page d'histoire extraordinaire, encore une aujourd'hui, et de revoir comme ça vivre et revivre Saint-Félix, c'est un bonheur. Bravo. J'aime courir dans le parc, profiter de ce beau collège, c'est super. Quand on voit aujourd'hui la réalisation d'Alzon, on ne peut être que ravi pour les enfants. Des élèves et des enseignants qui vont avoir un cadre exceptionnel dans lequel s'exprimer. On est dans un lycée nouveau, ce qui veut dire que les salles sont nouvelles, tout ça, du coup c'est agréable de venir. Et on est fiers pour les jeunes, pour les enfants, qu'ils soient dans ce cadre-là, dans cet écrin-là, comme si on disait on a construit ça pour chacun d'entre vous. On arrive à dispenser des formations à la fois de qualité, d'excellence. C'est une belle chose à laquelle contribue l'Institut d'Alzon. Les enfants vont grandir, apprendre, se développer. Et on est ravis qu'ils puissent s'inscrire aussi dans un lieu qui a une histoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est mission accomplie. Donc mission accomplie, bien sûr, pour les travaux, bien sûr, pour les investissements, mais bien sûr et surtout pour les élèves, parce que demain, on pourra dire que sur Beaucaire, on peut accueillir dans de bonnes conditions des enfants de la crèche jusqu'au baccalauréat, parce que je suis sûr que rapidement on va pouvoir réouvrir un lycée d'enseignement général et technologique.